Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « J'ai vendu ce que je possédais de plus précieux ». Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Oui, découvrir l'amour de Dieu pour sa vie est un trésor inestimable, qui a une valeur supérieure à tout ce que nous pourrions posséder. Voici la lettre qu'a reçue un membre d'une association des Gédéons. « Mon père était alcoolique et dépensait tous ses revenus pour boire. » Nous habitions un quartier pauvre de la ville. À l'école secondaire, j'avais reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'avais pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde pouvait offrir. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide de mon existence et je menais une vie agitée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour de Dieu m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et a signifié pour moi. Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourriez apporter à d'autres. Un membre de l'association des Gédéons est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Lorsqu'il lui demanda d'où il avait pris cet argent pour faire le don, le jeune homme répondit qu'il n'avait pas d'argent, donnant tout à sa mère pour la nourriture. Mais qu'il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de CD, DVD. Il l'avait fait pour que d'autres garçons et filles puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Et nous, comment avons-nous connu Dieu? Grâce à notre famille peut-être, ou même à une personne que vous ne connaissiez point. Bien que Dieu se révèle à nous personnellement, il utilise bien souvent des personnes qu'il place sur notre chemin. Comment ne pas être reconnaissant envers elle? Par ailleurs, qu'en est-il de notre témoignage? Nous qui avons découvert ce trésor, acceptons-nous de payer un prix pour que d'autres, à leur tour, trouvent ce trésor? Une décision pour aujourd'hui. Je désire ardemment que par ma vie, d'autres trouvent le salut, même si cela est au prix de ce qui est le plus cher encore à mes yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com.